Mesdames et messieurs, chers amis, auditeurs de France Culture, de Radio Notre-Dame, de RCF, téléspectateurs de KTO, je suis heureux de vous accueillir à Notre-Dame de Paris pour la troisième conférence de Carême. L'homme, un être appelé. La première semaine, balayant l'horizon de toute l'humanité, j'ai abordé de quelle manière tout homme est convoqué dans son existence à l'appel qui fait que son existence est unique. La semaine dernière, Monseigneur Houpetit a pointé une parole de Jésus qui, déjà à son époque, heurtait ses auditeurs. « Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus », des paroles qu'on serait tenté d'occulter, mais qui, dans sa bouche, sont porteuses de vie. Aujourd'hui, Monseigneur Bruno Lefèvre-Pontalis appelle notre attention sur les signes de Dieu, les signes de Dieu dans nos vies. Nous ouvrons la Bible. Dans l'Ancien Testament, fréquemment, Dieu parle par des signes. Dans le Nouveau Testament, Jésus dissuade ses disciples d'attendre des signes. Qu'en est-il pour nous? Peut-on accorder du crédit à ces signes que le hasard ou la providence place sur nos routes? Aborder la question des signes est vital pour nous, car nous sommes tous amenés à faire des choix et nous sommes bien rassurés quand nous acquérons la certitude d'avoir fait de bons choix. Comment reconnaître les signes? Je vous laisse en compagnie de Monseigneur Bruno Lefèvre-Pontalis. Pour connaître la nature et la signification d'une chose, écrit Aristote, il faut toujours en connaître l'origine. Cette loi se vérifie particulièrement pour ces signes par lesquels nous percevons dans nos existences Dieu qui nous appelle. Car pour le chrétien, il est une chose certaine, c'est que du premier moment de la création, Dieu est impliqué dans la vie de son peuple et de l'humanité. Dieu parle, Dieu intervient à sa manière. Oh, bien sûr, il se révèle rarement dans le fracas du tonnerre. La Bible nous enseigne qu'il est plutôt discret. Dieu n'aime pas se donner en spectacle. Dans l'Évangile, il ne se manifeste pas au mage sous le soleil de midi, mais par une étoile qui s'éteint avant leur arrivée. Le Seigneur parle, mais sans tout de suite se faire connaître, comme pour les disciples d'Emmaüs. L'obscurité aussi peut devenir appel à continuer la route dans la confiance. Mais comme nous avons tendance à attendre des phénomènes extraordinaires, nous passons facilement à côté de ces signes par lesquels le Seigneur nous appelle chaque jour à travers sa parole, ses sacrements ou les personnes et les simples événements de notre vie. Il s'agit bien pour nous de reconnaître que Dieu parle aujourd'hui, de comprendre comment il parle. Mais il nous faut aussi apprendre à discerner entre les réelles manifestations du Seigneur et ce qui pourrait être des fantasmes ou des mirages. Ainsi, en cette conférence, après avoir défini ce qu'est un signe, nous regarderons dans un premier temps comment, dans l'Écriture, Dieu a utilisé certains signes pour communiquer à son peuple. Il sera intéressant de comprendre pourquoi Jésus lui-même a accepté ou a refusé de donner des signes de son action. Puis nous nous demanderons dans une deuxième partie quels peuvent être les signes sûrs par lesquels Dieu aujourd'hui continue de nous appeler. Enfin, nous répondrons à quelques interrogations
afin de nous aider au discernement de l'authenticité des signes de Dieu dans nos existences. Qu'est-ce donc tout d'abord un signe ? Aujourd'hui, on entend généralement par signe une intervention de Dieu qui me dit ce que je dois être et ce que je dois faire. Le signe divin, ainsi compris, à la croisée des sentiments et de l'événement extérieur, est alors souvent attendu comme la grenouille attend le baiser du prince charmant, entretenant la confusion fâcheuse entre la vie de la grâce et le conte de fées. Et pourtant, l'être humain, qui est à la fois corporel et spirituel, a besoin de signes pour trouver son chemin, mais aussi pour aimer et pour croire. Ainsi, la nature, par sa beauté, sa variété, peut susciter un émerveillement qui entraîne un questionnement qui aille jusqu'à la reconnaissance d'un Dieu créateur. La naissance d'un enfant n'est-elle pas le signe le plus extraordinaire par lequel le Dieu de la vie se dit ? L'amour lui-même va le plus souvent se dévoiler par des signes qui seront donnés à l'être aimé. Le signe est alors comme un cadeau posé sur le bord du chemin de la vie pour révéler un sentiment, pour redonner une direction, pour inviter à une conversion ou proposer un appel. Pour le croyant, le signe indique une des manières dont il perçoit la présence de Dieu dans sa vie. Bien entendu, la prudence reste de mise lorsque nous affirmons « Dieu fait ceci, Dieu dit cela ». Chacun de nous ne peut parler que de sa propre expérience. Tel fait qui a laissé mon ami de marbre a changé ma vie. La chose en elle-même n'avait rien d'extraordinaire, mais elle a été un signe pour moi. Certains ont des facilités à lire ces clins d'yeux, comme disait un enfant du catéchisme, dans leur vie. D'autres, non. Il nous faut apprendre à relire régulièrement notre histoire personnelle pour discerner les signes de notre vie passée et pouvoir vivre alors notre vie actuelle. S'adaptant à notre nature, la Bible nous révèle que Dieu a tout au long de l'histoire du salut donné des signes. Ils sont appelés prodiges, merveilles, miracles, car c'est d'abord par la transcendance de son action en faveur des hommes que Dieu signifie sa puissance et son amour. L'identité même du peuple d'Israël se construira à travers ces signes grandioses ou discrets qu'il interprétera lui-même comme autant d'interventions divines en sa faveur. Sa foi ne cessera tout au long des étapes de son histoire d'être nourrie par le souvenir des signes passés et par le don des signes présents. Le grand signe fondateur donné à Israël par lequel il a compris son identité et sa mission. Et bien sûr, nous le savons, après l'élection d'Abraham, celui dans lequel l'Éternel a prouvé sa puissance et son amour en le libérant de l'esclavage, en le conduisant à travers le désert et en lui donnant la terre de la promesse. Pour rester fidèle au Dieu de l'Alliance, le peuple d'Israël devra garder présent, vivant dans sa mémoire, tous ces signes événements des origines. Tout au long de l'histoire sainte, Dieu continue de manifester sa puissance de salut par des signes miraculeux. Pensons au grand signe promis au roi Akaz, que sera l'enfantement d'un fils. Mais arrêtons-nous un instant sur la célèbre histoire de cet homme biblique, Gédéon, qui, voulant être sûr de faire sa volonté, demande un signe au Créateur. Gédéon vivait
à l'époque de l'installation en Canaan, avant l'instauration de la royauté en Israël. À la tête du peuple, le Seigneur avait mis des hommes qu'on appelait les juges. Ils étaient là pour faire appliquer la loi de Dieu et appeler au repentir le peuple infidèle. Ainsi Dieu appelle Gédéon, et comme la plupart des appelés, Gédéon a un énorme doute, d'autant plus que le Seigneur lui dit « Debout, vaillant guerrier !» Comme il ne correspond pas tout à fait au descriptif, il pense que le Seigneur s'est trompé d'adresse. « Pardon, mon Seigneur, lui répond Gédéon, comment sauverai-je Israël? Mon clan est le plus pauvre en Manassé, et moi je suis le dernier dans la maison de mon père. » Mais le Seigneur confirme, c'est bien lui qui l'appelle. C'est alors que Gédéon, dans son désir de ne pas se tromper, insiste lourdement et demande au Seigneur, qui ne s'en offusque pas, un premier signe, celui de la toison pleine de rosée sur un sol sec. Et puis un second, celui de la toison sèche sur un sol humide. Le Seigneur lui accorde ces signes. Et une fois accordé, Gédéon se met en route et accomplit sa mission. Il y va avec la confirmation que c'est bien la volonté de Dieu. Mais attention, ce signe bien massif accordé à Gédéon n'est pas un marchandage. Il ne dit pas « si tu me donnes un signe, je ferai ceci ou cela ». On ne peut jamais acheter Dieu. Ce signe est un supplément gratuit de la bonté de Dieu. Il n'est pas le point de départ de son discernement, mais plutôt la confirmation de ce qu'il a déjà reçu. Quand bien même nous aurions la certitude d'avoir fait le bon choix, Dieu peut donner un signe supplémentaire de confirmation. Ce fut le cas dans l'Évangile pour Marie, dont la vocation sera confirmée par sa cousine Élisabeth. « Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein. » D'ailleurs, quelle place avaient les signes dans la vie de Jésus? À l'époque du Nouveau Testament, les contemporains de Jésus attendaient, pour les jours où viendrait le Messie, des prodiges au moins égaux à ceux de l'Exode. Jésus, d'une certaine manière, déçoit cette attente en son aspect charnel, mais il va la combler spirituellement en inaugurant le vrai salut par ses miracles et surtout en l'apportant par le grand signe de sa croix et de sa résurrection. Jésus, mort et glorifié, est le signe par excellence, le seul signe efficace qui apporte le salut à la multitude. Fidèle à la promesse de Dieu d'un renouvellement des merveilles d'autrefois, Jésus a cependant multiplié les miracles. Les miracles de Jésus dans l'Évangile constituent ces signes des temps qui invitent à reconnaître comme des indices sûrs l'arrivée des temps du Messie, l'avènement du salut. En revanche, à l'inverse des Hébreux au désert, Jésus va non seulement refuser de tenter Dieu en exigeant de lui des signes pour son propre avantage. « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu », dira-t-il au démon. Mais il refuse aussi de satisfaire ceux qui, avides de prodiges spectaculaires, lui demandent un signe pour le tenter. Dieu donne bien des signes de l'avènement du salut aux pauvres, comme Marie ou les bergers, mais Jésus ne peut donner à ses contemporains les signes qu'ils réclament. Ce serait pour Jésus pervertir sa mission. Cette génération est une génération mauvaise. Elle demande un signe, et de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Ses auditeurs doivent commencer par se rendre attentifs à sa prédication de pénitence et de conversion. Ils seront capables alors
de déchiffrer les signes des temps sans en exiger d'autres à leur convenance et seront préparés à recevoir le témoignage du plus décisif de ces signes des temps, la résurrection même de Jésus. L'évangile de Saint Jean utilise cependant, vous le savez, le terme de « signe » pour désigner les miracles de Jésus. Pour lui, la vue des signes doit conduire à croire en Jésus car il manifeste sa gloire et prépare à reconnaître par la foi, là aussi, le grand signe du transpercé élevé sur la croix, source de toute vie. À la fin de cette première partie, nous pouvons affirmer que le témoignage de l'Écriture est unanime. Oui, Dieu en son Fils marche à nos côtés. Il nous inspire et ne craint pas pour confirmer sa parole, de faire signe. Mais nous entendons aussi l'enseignement de l'Évangile qui nous révèle que tout signe, en définitive, s'efface devant celui du Fils de l'homme, Jésus, et de la réalité de son triomphe. Il nous faut regarder maintenant quelles sont ces médiations, ces canaux par lesquels, le plus souvent dans la discrétion, Dieu continue aujourd'hui de manière certaine à se dire. Le premier chemin par lequel Dieu le plus sûrement nous parle est sa parole. Nous le savons, mais il faut nous le redire. Oui, ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Ta parole, en se découvrant, illumine et les simples comprennent, dit le psaume 118. Dieu parle chaque jour aux croyants à travers l'Écriture, affirme saint Jérôme. Que veux-tu me dire, Seigneur, aujourd'hui à travers ta parole ? La parole vivante, cachée dans le livre, m'attend pour me montrer le chemin que Dieu ouvre devant moi. Oh, bien sûr, cette écoute de la parole peut être rude, parfois obscure. La Bible ne nous émeut pas de manière spectaculaire à toutes les pages. Le plus souvent, nous ne nous précipitons pas sur elle comme sur un roman lorsque nous avons besoin de nous détendre. Et pourtant, par elle, Dieu parle et me fait signe, souvent de manière extrêmement simple. Viens, suis-moi, relève-toi, écoute, sois croyant, convertis-toi. Le philosophe et dramaturge Fabrice Hadjadj, de famille juive et ayant grandi dans l'esprit de révolte, raconte qu'il se mit à lire la Bible pour mieux s'en moquer. « Je l'ai donc lu, dit-il, en commençant par Isaïe et Job. Le choc ! Quel incroyable souffle ! Puis j'ai lu les Évangiles. Tant de simplicité alliée à tant de profondeur. La parole de Jésus n'était pas une parole comme les autres. C'était la parole en chair, en os et en esprit. » Bref, j'avais voulu détourner l'Écriture et c'est elle qui me retournait. Pour lui comme pour tant d'autres, la Bible fut le signe par lequel Dieu l'appela, toucha son cœur comme un javelot et changea sa vie en profondeur. Oui, à travers sa parole vivante reçue dans la prière quotidienne et silencieuse, Dieu me rejoint et m'appelle personnellement à le suivre. Ce sont aussi bien sûr les sacrements par lesquels au cœur de l'Église, Dieu me parle et me fait signe. Avons-nous assez conscience, frères et sœurs, que les sacrements sont les signes visibles et agissants de l'amour de Dieu, véritable rencontre des enfants de Dieu avec leur Père, dans le Christ et l'Esprit Saint, suivant la puissante expression du catéchisme de l'Église catholique ? Pas une simple rencontre, mais un dialogue fait de gestes et de paroles d'amour, signe sensible de la grâce en nous.
les sacrements, mémoriaux des merveilles du Seigneur, continuent de rendre actuelle et efficace en son Église l'œuvre du salut du Christ Jésus. Il n'est pas surprenant alors que ce soit au cours de leur célébration que tant d'hommes et de femmes aient en vérité rencontré le Seigneur et reçu tant de signes pour continuer leur route. Wanda Poltawska, résistante et déportée polonaise à Ravensbrück, rapporte dans ses mémoires qu'elle cherche un accompagnateur spirituel qui puisse l'aider à comprendre l'enfer qu'elle a traversé, sans succès, jusqu'à ce jour de 1955 où elle va prier dans une église de Cracovie. Le père Karol Wojtyła entre, raconte-t-elle. Il se dirige vers une chapelle latérale. Je le suis au confessionnal comme attiré par un aimant. Aujourd'hui, je pense que mes pas étaient guidés. Pourtant, il ne se passe rien d'extraordinaire, poursuit-elle. Mais sa manière de parler et ce qu'il me dit sonnait si juste et correspondait tellement à ce que je cherchais. Du coup, j'en étais certaine. Je reviendrai voir ce prêtre parce qu'il me comprenait. Je ne lui ai pas demandé d'être mon père spirituel, mais c'est venu tout seul quand il m'a dit en guise de conclusion, comme aucun prêtre ne l'avait fait jusque-là, « Viens à la messe, viens chaque jour. » Plus tard, j'ai pensé qu'en vérité, tout prêtre devrait donner ce conseil. « Va à la messe, parce que c'est vraiment une source de grâce. » Oui, la fécondité de cette première rencontre prend sa source, comme beaucoup d'autres, dans un désir intense pour ce sacrement vital qu'est la réconciliation nourrie par celui de l'Eucharistie. Dans l'Église, branchée sur son Seigneur par les sacrements, je suis sûr que Dieu me parle et me fait signe. Une clé précieuse de discernement réside dans le fait de savoir que Dieu parle aussi par les événements. En hébreu, le mot « dabar » signifie à la fois « parole » et « événement ». Dans la Bible, on voit que Dieu rejoint l'homme par des oracles, des songes, mais aussi, souvent, par des événements. Nous pressentons alors qu'il ne s'agit pas de hasard ou de concours de circonstances, mais bien de l'irruption de la providence au travers de faits ordinaires de notre vie. Le hasard, aurait dit Albert Einstein, c'est Dieu qui se promène incognito. Attention, la main de Dieu n'est pas nécessairement directement derrière l'événement qui peut être heureux, telle une rencontre inspirée, ou malheureux, telle une souffrance, une maladie, un accident ou un deuil. Mais Dieu emplit cet événement de sa présence, se sert de lui pour me faire signe dans la foi, à moi et à moi seul. La jambe cassée et le repos forcé du jeune Ignace de Loyola lui permit de lire des vies de saints qui ont touché et ouvert son âme et finalement orienté sa vie à jamais en lui faisant prendre conscience de ce que le Seigneur lui demandait. Oui, les gamelles peuvent parfois être de bons signes. Le Seigneur ouvre des portes ou les ferme à travers les événements de notre vie, les décisions que les autres peuvent prendre et les situations concrètes où nous nous trouvons. Charles Péguy exprime cela de manière simple et profonde. Les événements, dit Dieu, c'est moi. C'est moi qui vous caresse ou c'est moi qui vous rabote. C'est moi, n'ayez pas peur. Le plus souvent, les signes de Dieu sont d'abord à lire dans les petites choses de notre quotidien. Heureusement, la force du signe ne dépend pas de son intensité sur l'échelle sismique ou de sa hiérarchie au journal télévisé de 20 heures. Madeleine Delbrel, dans son petit ouvrage plein d'humour, Alcide, développe avec bonheur cette thématique du quotidien. « Je n'obéis qu'à mon supérieur », écrit-elle, « mais aussi
au réveil qui sonne, au train en retard, à la pluie, au coup de fil que je n'avais pas prévu. Nous ne sommes jamais des laissés pour compte, mais des bienheureux appelés. Appelés à savoir ce qu'il vous plaît, Seigneur, de faire. Appelés à savoir ce que vous attendez à chaque instant de nous. C'est bien dans ce quotidien que le Seigneur nous attend. Dans la fidélité aux engagements pris, dans la capacité à prendre nos responsabilités. Parfois, plein d'élan, on serait prêt à aller au bout du monde pour le Seigneur. Mais ce qui est certain, c'est qu'il nous attend là où, après jour, nous devons être. Il ne s'agit pas de tout subir passivement. Il y a des événements contre lesquels il faut lutter, des situations inacceptables. Mais ordinairement, nous savons bien ce que nous avons à faire. Accepter ce qui est source de paix et de courage pour accomplir notre tâche. Dieu ne conduit donc pas nos vies comme un grand gourou ou une gentille nounou. La Providence nous laisse libres. C'est probablement l'un des paradoxes les plus déroutants, peut-être, de notre foi chrétienne. Dieu est le maître du monde et de l'histoire, tout en laissant à ses créatures la capacité de choisir au quotidien l'orientation de leur vie. Le Concile Vatican II affirme ainsi que les chrétiens devront être aidés à devenir capables de lire dans les événements, petits ou grands, ce que réclame une situation. Ce que Dieu attend d'eux. Si Dieu fait signe par les circonstances extérieures, il nous guide aussi de l'intérieur, par les désirs profonds de notre cœur. Nous désirons tellement de choses, parfois contradictoires. La prise en compte de ces désirs qui nous dynamisent est primordiale, car ils sont le matériau de base du discernement. Le jeune homme riche de l'Évangile avait le désir d'obtenir la vie éternelle, tout comme sainte Thérèse de l'Enfant Jésus était animée par le grand désir de devenir une sainte. Ainsi, l'attirance d'un jeune homme pour une jeune fille peut être le signe d'un appel à construire une relation amoureuse. Nos goûts, nos centres d'intérêt, nos motivations, nos dons sont autant de signes pour nous guider dans notre orientation de vie et notre mission. Dieu a déposé en nous une aspiration fondamentale au bonheur qui s'exprime par nos désirs. Il y a là une cohérence entre la volonté de Dieu et le désir profond de notre cœur. Simone Paco, dans son ouvrage « L'évangélisation des profondeurs », affirme qu'il est impossible d'approfondir la notion de volonté de Dieu sans aborder le domaine des désirs, car la volonté de Dieu ne peut en aucun cas être en contradiction avec nos désirs et nos aspirations les plus authentiques. Il ne saurait en être autrement, car Dieu est le créateur de ces désirs-là. Toute la difficulté consiste à découvrir parmi tous nos désirs ce qui est le plus authentique. Il importe de faire le tri parmi nos désirs. Tous ne sont pas mauvais, tous ne sont pas bons non plus, et peuvent être à purifier, car marqués par le péché. Décider quelle aspiration mettre en premier, écouter ce qui nous habite en profondeur, c'est déjà nous mettre à l'écoute de Dieu. Il est donc fécond de s'interroger quelles sont nos attirances, nos admirations, nos dons. Ceci pour découvrir quel est notre appel, ce chemin de bonheur qui est le désir de Dieu sur nous. Car l'appel de Dieu est toujours profondément personnalisant et épanouissant. Il donne à notre existence toute sa fécondité dans l'Esprit-Saint. Saint Ignace de Loyola nous rappelle dans les exercices spirituels que le signe que l'on va sur le bon chemin est celui d'une paix profonde et d'une consolation spirituelle dans l'amour de Dieu et de toutes choses en lui. Le chemin de discernement se fera pour chacun dans la lumière de sa conscience.
ce jardin le plus secret, accessible seulement à Dieu et à nous-mêmes, où s'éveillent et se développent nos sens spirituels. Quand nous écoutons notre conscience, nous entendons cette voix qui, comme le dit le catéchisme de l'Église, ne cesse de nous presser d'aimer pour accomplir le bien, pour éviter le mal. N'oublions pas, nous rappelle le pape François dans son exhortation apostolique « La joie de l'Évangile », que Dieu dote la totalité des fidèles d'un instinct de foi, le sensus fidei, qui les aide à discerner ce qui vient réellement de Dieu. Certains se demandent si Dieu peut nous révéler nos désirs authentiques et nous faire signe à travers nos rêves. De Joseph, fils de Jacob, à Joseph, l'époux de Marie, l'Écriture ne cesse d'évoquer des songes par lesquels Dieu s'adresse aux hommes. Le rationalisme a plutôt fermé la porte des rêves, tandis que la psychanalyse l'a réouverte en très grand. Dans le rêve, nous ne tenons plus les rênes. Dieu peut-il en profiter pour se glisser dans les profondeurs de notre psychisme, pour nous faire signe ? Le psychanalyste chrétien Jacques Arène répond utilement en affirmant qu'il s'agisse du Dieu des chrétiens ou de l'inconscient freudien. Les signes que nous recevons en rêve ne sont jamais des indications claironnantes qu'il faut suivre à la lettre. Un travail de relecture est toujours indispensable. Nous ne pouvons achever cette deuxième partie sans affirmer que Dieu nous parle, bien sûr, par les autres. Le Seigneur nous donne l'occasion de rencontrer des personnes qui auront un rôle décisif d'appel dans notre vie, que ce soit de la part d'un conjoint, d'un ami, d'un collègue de travail. Nous entendons une parole qui, tout à coup, fait jaillir une étincelle en nous. « J'ai compris maintenant, je sais ce que je dois faire. » Et souvent, c'est en répondant favorablement à une banale invitation que nous avons découvert un nouveau groupe, une nouvelle activité, et que, de fil en aiguille, notre vie a changé. Dans le cadre professionnel, même notre patron peut être un instrument de Dieu pour nous révéler notre mission en nous proposant de nouvelles fonctions ou un changement de parcours. Dans la famille, ce sont souvent les enfants qui bousculent les parents et obligent à une remise en cause et font évoluer. Dans la paroisse, notre curé et les membres de la communauté nous stimulent spirituellement et nous appellent. Toute personne que nous croisons peut ainsi devenir une balise sur notre route, un signe par lequel Dieu me rejoint, m'éclaire et me parle. Oui, nous sommes appelés à être les uns pour les autres, sacrement, c'est-à-dire signe vivant de la présence de Dieu. En cette dernière partie, je voudrais, en répondant à quelques questions plus précises, proposer des clés de discernement de ces signes qui peuvent nous être donnés. Ainsi, il est probable que nous nous demandions tous un moment ou un autre. Si Dieu intervient dans nos vies, comment être sûr que c'est lui qui agit et non pas nous qui nous projetons? Autrement dit, comment discerner l'authenticité des signes de Dieu? Il est rare que Dieu parle de façon explicite. Et quand bien même il le ferait, le doute peut nous envahir. Ai-je rêvé? Suis-je la proie d'une hallucination? L'une des étapes du processus de discernement consiste à s'assurer que ce que nous pressentons est bien la volonté du Seigneur et non pas une tentation ou la fuite de notre imagination. Saint Jean de la Croix, docteur mystique par excellence, nous invite à discerner ces signes en distinguant trois catégories. Il peut être utile de les regarder. Il y a d'abord le signe provoqué. Le fait de recevoir un signe dépendra de notre façon de demander. Par exemple, j'irai me confesser si la personne devant moi allume un cierge. Cette prière relève de la superstition.
Elle utilise Dieu et lui demande de faire notre volonté. Il y a aussi le signe « demander ». On demande une intervention extraordinaire de Dieu. Par exemple, Sainte Thérèse de Lisieux demande un signe de repentir de l'assassin Branzini avant son exécution. Sauf que Thérèse précise au Seigneur que c'est un signe pour sa simple consolation et que s'il ne l'accorde pas, cela n'ébranlera aucunement sa foi. Le risque d'une telle demande, suscité souvent par la curiosité, c'est de projeter en Dieu nos propres désirs au lieu d'accueillir sa volonté. Enfin, il y a le signe inattendu. Le signe de la providence dans ma vie ne fait que confirmer une option prise par notre raison éclairée par la foi et l'enseignement de l'Église. En l'accueillant, nous sommes confortés dans la confiance. Saint Paul nous dira alors que l'action de Dieu se reconnaît à ses fruits. Charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Mais il convient d'ajouter que on ne peut pas être juge et parti. C'est pourquoi dans le discernement, il est important d'être confirmé par d'autres personnes ayant compétence pour cela. Un appel, quel qu'il soit, est ainsi toujours utilement validé dans son authenticité par l'Église à laquelle on s'en remet. Un accompagnateur spirituel nous aidera à vérifier la conformité des signes reçus avec la parole de Dieu et à ne pas trop nous habituer à cette voie des signes sensibles. C'est bien en communion avec l'Église, qui peut être la paroisse, la communauté à laquelle j'appartiens, que l'appel entendu et les signes reçus trouvent toute leur fécondité. La question se pose alors de savoir si dans ce discernement, il est possible de se tromper. Si le cœur n'est pas assez fortifié par l'exercice des vertus théologales, de foi, d'espérance, de charité, s'il n'est pas éduqué aux vertus cardinales de force, de prudence, de justice et de tempérance, nourries aussi par la parole de Dieu, la prière et la pratique des sacrements, il risque d'être assujetti par ses passions, victime de carences affectives ou prisonnier de systèmes compensatoires. Ce sont des désordres qui nuisent à l'exercice de la liberté et peuvent pervertir les signes de Dieu, en se les appropriant à sa guise, au lieu de se laisser conduire avec confiance. Et oui, l'esprit du mal peut venir brouiller les signes et parasiter leur signification. Si nous regardons l'épisode des tentations du Christ au désert, nous voyons bien que le démon demande des signes prodigieux, spectaculaires, qui nieraient en fin de compte le réalisme de la condition humaine et exalterait la toute-puissance dans le but de détourner le Christ de son incarnation et de sa mission. Nous ne sommes pas à l'abri de ces tentations qui nous font miroiter des mirages par le développement de l'imaginaire. Si nous avançons seuls et déconnectés de la parole de Dieu, nous risquons alors de tomber, soit dans l'orgueil, soit dans le désespoir. Nous pouvons penser que ce serait tellement plus simple si Dieu nous envoyait des messages clairs, s'il disait sans équivoque quelle est sa volonté sur nous, cela nous épargnerait, pense-t-on, ce discernement parfois difficile et ôterait tout risque d'erreur. Mais voilà, Dieu nous renvoie toujours à notre décision. Lorsqu'on observe la vie publique de Jésus, on constate qu'il ne donne pas de réponse toute faite aux interrogations de ses contemporains. Au contraire, il parle en parabole et il pose des questions. Cela oblige son auditoire à recourir à son propre jugement pour chaque situation concrète. Dieu respecte trop notre liberté. Son plan n'est pas un programme appliqué par contrainte, mais un projet d'amour. S'il nous présentait en toute lumière le chemin qu'il ouvre devant nous, nous n'aurions pas d'autre choix que de le suivre,
notre liberté disparaîtrait. Dieu attend de nous une libre adhésion d'amour à son projet, le oui de l'épouse à l'époux. Dieu prépare ainsi notre cœur. Si nous ne recevons pas des messages aussi clairs que nous voudrions, c'est peut-être aussi que notre cœur n'est pas encore prêt à les entendre. C'est sur le chemin de la fidélité, de la persévérance, de la conversion que la lumière nous sera donnée. En avançant, le pape François, dans l'interview qu'il a donnée au mois d'août dernier aux revues jésuites, rappelle qu'au cœur de tout discernement, il demeure un espace pour le doute. Les grandes figures bibliques elles-mêmes ont laissé une place au doute. Il y aurait un risque, dit-il, à trouver Dieu en toutes choses et à dire avec certitude et arrogance « Dieu est ici ». L'attitude juste, rappelle le pape, c'est celle de saint Augustin qui affirme qu'il faut chercher Dieu pour le trouver et le trouver pour le chercher encore. Dieu demeure toujours une surprise. Faut-il alors tout bonnement, frères et sœurs, attendre des signes de Dieu? On peut certainement lui en demander, mais toujours en toute humilité de cœur. Jamais en exigeant, car Dieu n'enverra pas nécessairement le signe que nous attendons, ou plus probablement sa réponse sera si abondante qu'elle creusera en nous la conscience de notre extrême petitesse devant sa grandeur infinie. Pensons à l'effroi de saint Pierre dans l'Évangile devant la pêche miraculeuse. Devant Dieu à l'œuvre, nous risquons bien, nous aussi, de nous écrier « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Dans sa pédagogie divine, Dieu nous mène doucement et fermement à la foi. Il purifie sans cesse notre cœur, avide de signes sensibles, et notre esprit aveugle qui veut mettre la main sur ses grâces. Comme les apôtres voulaient arrêter le temps et planter leur tente sur la montagne de la Transfiguration. Dieu nous appelle à quitter les gras pâturages de la plaine pour monter vers les cimes plus arides, mais plus pures, en nous délestant peu à peu de tout ce qui nous entrave dans notre union à lui. Ainsi, tous les saints ont connu des nuits spirituelles, que ce soit la nuit des sens, la nuit de l'esprit ou celle de la foi. On le sait, à la fin de sa vie, saint Thérèse de l'Enfant Jésus allait se demander si le ciel existait. Et nous connaissons aussi maintenant l'itinéraire spirituel aride de Mère Thérésa de Calcutta. Mais attention, il ne s'agit pas de renoncer du jour au lendemain aux signes sensibles. Il se peut même que, dans la prière par exemple, le Seigneur permette, surtout au commencement d'une vie spirituelle profonde, des expériences sensibles et physiques, des signes de visitation comme une forte émotion, certitude de sa présence à nos côtés, de son amour pour nous, avec parfois même l'expérience d'une grande douceur, d'une grande chaleur dans le cœur, d'une grande paix dans le corps, ou même des pleurs. Prier n'empêche pas Dieu de nous faire des cadeaux avec des gros nœuds roses et des papiers de toutes les couleurs. Quand nous en avons la grâce, ces signes, nous rassure saint Jean de la Croix, sont une voie par où Dieu nous mène. Il n'y a pas lieu de les dédaigner. Il serait présomptueux de les refuser, mais aussi dangereux de s'y attacher ou de les rechercher pour eux-mêmes ou d'en éprouver de la gourmandise. Je t'ai déjà tout dit dans ma parole qui est mon Fils, et je n'ai maintenant plus rien à te révéler et à te répondre qui soit plus grand que lui. Peut-on lire dans la montée du Carmel du même saint Jean de la Croix. La sainteté à laquelle nous sommes appelés se passerait-elle donc finalement de signe? Devant Dieu, poursuit le docteur de l'Église, une seule action, un seul acte de volonté fait par charité, a plus de prix que toutes les visions, révélations ou communications qui peuvent venir du ciel. Nous voilà avertis.
Les signes dont nous pouvons personnellement être gratifiés le sont toujours en vue d'un appel à suivre et à aimer plus profondément le Christ. À ces signes, nous aurons toujours à donner une réponse de foi libre et sûre. Nous aurions beau demander à Dieu de multiplier les signes pour confirmer un appel et les recevoir, cela ne nous dispensera jamais du pas à faire et de la réponse à donner dans la foi, l'espérance et l'amour. C'est bien cela qui fait de nous véritablement des croyants et des disciples du Christ. Acceptons de reconnaître en conclusion que le croyant est un être écartelé. Écartelé entre les choses du ciel et celles de la terre, entre sa conscience et ses pulsions, entre son désir de tout diriger et sa soif d'abandon, écartelé entre les grands appels de sa vie et les multiples tâches de son quotidien, entre sa volonté humaine et la volonté de Dieu sur lui, écartelé entre son désir de recevoir des signes forts et la discrétion du Seigneur, qui, respectant la liberté humaine, appelle à l'engagement dans la foi. Poussés par notre souhait de bien faire, nous nous tournons vers Dieu pour connaître sa volonté. Mais voilà, l'expérience du silence de Dieu est souvent l'expérience la plus forte. Dieu a-t-il entendu ? S'intéresse-t-il à moi ? Pourquoi laisse-t-il donc l'homme en proie à son questionnement ? Ai-je bien vu les signes qu'il aurait pu me donner, entendu les appels qu'il m'aurait adressés ? Oui, nous nous posons 1000 questions pour savoir comment faire, que faire, comment organiser notre vie du mieux possible, comment reconnaître le chemin où Dieu m'appelle. La réponse de Jésus, frères et sœurs, est toujours la même. Viens, suis-moi. Discerner les signes que Dieu m'adresse n'est donc plus seulement une question de vision extérieure, mais se transforme en un appel infini à aimer. Se lever, se mettre en route, marcher dans les pas du Christ, sortir annoncer l'Évangile, donner sa vie, c'est tout cela la dynamique du disciple. Et c'est en marchant qu'on reconnaît le chemin. Dans notre cœur profond, dans cette tente intérieure où l'Esprit Saint vient faire sa demeure, Dieu est déjà présent et m'appelle. C'est par cet accueil de la grâce en nous que devient possible la reconnaissance des signes qu'il nous donne et la compréhension des appels qu'il nous adresse pour notre bonheur. Cet accueil de l'Esprit Saint, la Vierge Marie l'a vécu en plénitude, dans le oui de l'Annonciation, renouvelé tant de fois. Toute sa vie est un abandon, une confiance totale, malgré l'obscurité et la présence de la croix. Celle qui ne comprenait pas toujours et qui méditait tout cela dans son cœur est notre modèle de discernement et d'acceptation du chemin que le Seigneur propose. Aujourd'hui encore, elle nous encourage dans notre recherche et nous assure au milieu de nos hésitations. Aujourd'hui encore, elle ne cesse de nous dire, en désignant son Fils, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Merci.
Le grand signe, c'est toi, Seigneur. Et par le signe, tu appelles notre foi. Le témoignage le plus décisif, c'est ta résurrection. Et dans l'Eucharistie, tu nous rends participants de ta résurrection. Avons-nous assez conscience que les sacrements sont les signes visibles et agissants de l'amour de Dieu, véritable rencontre des enfants de Dieu avec leur Père dans le Christ et l'Esprit, et non pas une simple rencontre, mais un dialogue fait de gestes, de paroles d'amour, signe sensible de la grâce en nous. Tu es là, Seigneur, en ce moment présent, dans l'hostie. Tu te donnes à moi, tu continues l'œuvre du Père, tu es présent pour moi, pour nous. Ta parole, Seigneur, est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Ta parole, en se découvrant, illumine et les simples comprennent. Tant de simplicité alliée à tant de profondeur. La parole de Jésus n'est pas une parole comme les autres, c'est la parole en chair, en os et en esprit. En hébreu, le mot « dabar » signifie à la fois « parole » et « événement ». Dans la Bible, on voit que Dieu rejoint l'homme par des oracles, des songes, mais souvent aussi par un événement, l'irruption de la providence au travers des faits ordinaires de notre vie. La main de Dieu n'est pas nécessairement derrière l'événement, mais Dieu passe à travers cet événement, se sert de lui pour me faire signe
dans la foi, à moi et à moi seul. Les événements, c'est moi, dit Dieu. C'est moi qui vous caresse ou c'est moi qui vous rabote. C'est moi, n'ayez pas peur. En ce troisième dimanche, les catéchumènes ont vécu aujourd'hui le premier scrutin vers le baptême à Pâques. À travers eux, tu nous donnes un signe, Seigneur. Esprit Saint, donne-nous d'accueillir le signe des catéchumènes. Donne-nous aussi le courage d'accueillir le signe des pauvres, le signe de l'étranger. Donne-nous aussi d'accueillir le signe du malade et de la personne âgée, le signe de l'enfant à naître et de l'embryon. Donne aussi à ceux que tu appelles à devenir prêtres le courage d'entendre ton appel. Donne à ceux que tu appelles à la vie consacrée la liberté de te dire oui. Écoute notre oui, Seigneur, même quand il est hésitant. Écoute notre oui, Seigneur, même quand nos oui sont mêlés de nos doutes. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et anticunda comentum novo cena critui restet fides supplementum sensum defectum. Genitori, genitoque, lauset jubilatio, salus honor virtus quoqui, sit et benedictio, procedenti ab utroque, comparsit lauda. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit sa présence trinitaire dans l'Eucharistie. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit sa nativité rédemptrice. Béni soit son sacré cœur.
Béni soit son sang précieux. Béni soit son admirable ascension. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel. Béni soit le nom de Marie. Béni soit l'Auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse assomption. Béni soit Saint Joseph, son époux très chaste. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Les